là. Ouais, c'est supportable. C'est la première fois qu'on vient du bateau, hein. Bonjour. Madame, monsieur, bonjour, les enfants, bonjour. Bonjour. Vous avez fait une réservation? Oui, tout à fait. La table du meunier, c'est une cuisine de terroir raffinée dans un cadre rustique et pittoresque. La table du meunier est donc un ancien moulin à huile qui a été restauré il y a 25 ans, qui a donc tout son charme grâce aux pierres, grâce aux poutres apparentes, qui est resté typique. Situé donc sur les bords de la Mayenne, ce site permet de recevoir donc différents touristes, dont le tourisme fluvial, qui peuvent accoster donc dans le bas du restaurant. Les gens peuvent monter tranquillement pour venir se restaurer. Le restaurant est donc situé en plein cœur de l'Anjou. Le chef donc travaille surtout donc des produits du terroir tels que le cendre, le magret et les pommes. On ira avec 4 foie gras, Geoffrey, s'il te plaît. C'est du foie gras de canard, qui est de la région aussi. Et qu'on travaille donc nous-mêmes ici, qu'on fait en foie gras mi-cuit, que je sers donc avec une petite royale de foie gras. C'est quoi exactement qu'il y a dans cette crème? Alors donc c'est ce qu'on appelle la royale de foie gras, donc c'est une base de crème brûlée, mais aromatisée au foie gras. Ah, très bien. Brûlée, la préparation est identique à une crème brûlée au départ. On a la chance en Anjou d'avoir de très bons vins, que nous incorporons donc dans notre cuisine, par exemple dans la déclinaison de bœuf et rhum steak à l'Anjou rouge. On met à chauffer en fait la queue de bœuf directement dans la sauce vin rouge. Donc, les déclinaisons de bœuf au vin d'Anjou rouge, avec sur le dessus le pavé de drumsteak. Sous le pavé de drumsteak, vous avez la joue de bœuf et le dôme à côté, la queue de bœuf. Et dans le ramequin, vous avez une purée de pommes de terre à l'huile de truffe. Très bien. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci. Beaucoup. Merci.